tu vas avoir l'occasion d'observer la démarche pour trouver les idées principales explicites et implicites dans un texte courant. Pendant ton écoute, note les étapes que tu remarques. Donc, j'ai un texte qui s'appelle « Au sujet de notre capacité d'accueil », ça parle du chemin Roxham. La première étape que je dois faire pour arriver à trouver l'idée principale de chaque paragraphe, c'est de lire le paragraphe pour m'assurer que je le comprends bien, qu'il n'y a pas de mots inconnus ou de passages difficiles à comprendre. Parce qu'évidemment, s'il y a des bouts que je ne comprends pas, ça va être difficile de trouver l'idée principale ou de résumer ce que j'ai compris. Alors, le premier paragraphe, ça dit « Pour comprendre le délicat et complexe enjeu du chemin Roxham, tous les mots ne se valent pas. La proposition de fermer ce chemin obscurcit plus le débat qu'elle ne l'éclaire. Et même si le gouvernement Legault n'a pas tort de dire que notre capacité d'accueil semble dépassée, l'expression doit être interprétée prudemment. » Bon, il n'y a pas de mots que je ne comprends pas dans le paragraphe, pas de passage non plus qui est plus difficile. Donc, je serai rendue à ma deuxième étape. Je vais vérifier si l'idée principale est explicite. Quand l'idée principale est explicite, il y a une phrase du paragraphe qui reprend l'essentiel de ce qui est dit. Puis souvent, pas toujours, mais souvent, c'est la première ou la dernière phrase du paragraphe. Alors, je vais vérifier si c'est le cas. Pour comprendre le délicat et complexe enjeu du chemin Roxham, tous les mots ne se valent pas. Bon, c'est une phrase qui ne dit pas grand-chose, donc c'est sûr que je ne peux pas sélectionner ça comme idée principale. Puis dans la dernière phrase, ça parle de la capacité d'accueil qui semble dépassée, mais c'est comme une expression qu'il faut interpréter prudemment. Est-ce que ça pourrait être l'idée principale? Donc, si je regarde le reste du paragraphe, est-ce que ça parle de la capacité d'accueil qui semble dépassée? Non. Là, on parle de la fermeture du chemin. Cette phrase-là, ce qu'elle dit surtout, c'est que c'est comme une question qui n'est pas évidente. Donc, on dirait que tous les éléments du paragraphe là, parlent de choses différentes. Alors, ça veut dire que l'idée principale est implicite, elle n'est pas écrite textuellement. Alors, je vais devoir procéder autrement. Je vais sélectionner des mots-clés dans mon paragraphe, puis je vais formuler moi-même dans mes mots l'idée principale en m'appuyant sur mes mots-clés que j'ai soulignés. Alors, ce que j'ai compris, c'est que cette question-là, c'est délicat et complexe. Ensuite, on a parlé de la fermeture du chemin qui obscurcit plus le débat qu'elle ne l'éclaire. Ça veut dire que, dans le fond, c'est pas très aidant comme solution. Puis après ça, on parle de la capacité d'accueil, mais on dit que c'est une expression qui doit être interprétée prudemment. Donc, probablement que ça peut avoir plusieurs sens. On va le voir dans la suite du texte. OK, maintenant, je vais formuler dans la marge mon idée. Donc, c'est certain que je dois nommer le sujet du texte, là. Donc, enjeu, chemin, Roxham. Moi, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, ça demande une analyse approfondie. OK. Donc, ça demande une analyse approfondie. Je vais vérifier si ce que j'ai choisi comme mot pour mettre mon idée principale, si ça tient compte de tous les mots-clés que j'ai soulignés. Donc, je dis que ça demande une analyse approfondie parce qu'en fait, c'est délicat et complexe. Alors, je pense que ça reprend ça. On dit qu'il faut vraiment y réfléchir parce que pas certain que c'est la meilleure solution que de fermer le chemin, donc ça prend une analyse approfondie. Puis le terme capacité d'accueil, ça doit être interprété prudemment parce qu'il y a comme plusieurs significations, on dirait, donc ça prend encore une analyse approfondie. Donc je pense que ce que j'ai écrit dans la marge, ça tient compte de tous les mots-clés que j'ai soulignés. Okay. J'aurais fini le premier paragraphe. Je suis rendue au deuxième paragraphe, donc je reviens à ma première étape de tout à l'heure. Je vais le lire pour m'assurer que je comprends tout ce qu'il y a dans le paragraphe. Commençons par la capacité d'accueil. Dans les dernières années, l'expression est utilisée pour l'immigration économique.
On se demande combien de candidats le Québec devrait accueillir pour atteindre certains objectifs comme les besoins en main-d'œuvre et la protection du français. Pour le chemin Roxham, c'est différent. L'immigration est humanitaire et non économique. Elle relève du fédéral et non de Québec. Okay, le fédéral, ouais, c'est le gouvernement fédéral, c'est le gouvernement de tout le Canada. Donc, c'est le Canada qui décide de ça et non le Québec. Les individus sont évalués en fonction du droit international et non sélectionnés à partir de critères nationaux. Donc, international, c'est entre les pays. Donc, tous les pays ont comme des balises semblables. Puis les critères nationaux, bien, les critères de la nation, c'est comme l'Assemblée nationale. C'est au Québec, c'est le provincial, je pense. Quand ils demandent l'asile, le Canada doit en gros vérifier s'ils ont des motifs de crainte pour leur vie dans leur pays d'origine. OK, donc j'ai fait ma première étape. C'est clarifié dans ma tête ce qu'il y a là-dedans. Je vais vérifier encore une fois si l'idée principale pourrait être explicite, donc s'il y a une phrase qui reprend l'essentiel de ce qui est dit. Si je regarde la première phrase, ça dit « Commençons par la capacité d'accueil ». Donc, ça ne dit pas grand-chose, ça annonce un peu le sujet du paragraphe, mais ça ne dit pas ce que ça veut dire sur ce sujet-là. Puis la dernière phrase, ça dit que quand ils demandent l'asile, le Canada doit en gros vérifier s'ils ont des motifs de crainte pour leur vie dans leur pays d'origine. OK, bien, ça tient compte seulement d'une partie du paragraphe, on dirait, parce que dans la première partie du paragraphe, on définit davantage c'est quoi l'immigration économique. Donc, ça ici, là. Puis après, ben, on parle de l'immigration humanitaire. Donc, non, la dernière phrase pourrait pas être l'idée principale explicite. Ah, mais cette phrase-là, en plein milieu, par exemple, ça pourrait. Donc, on dit l'immigration est humanitaire, donc c'est de ça dont on parle ici, et non économique, c'est ce dont on parlait juste avant. Donc, je pense que cette phrase-là pourrait très bien résumer l'essentiel du paragraphe. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de souligner la phrase. J'ai rien à écrire dans la marge parce que l'idée principale, elle est présente dans le texte. Donc, j'aurais terminé ma démarche.